Beau matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour le petit conseil, les messages de ce mardi 15 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite pensée positive de ce 15 octobre, chercher la solution en soi. Prendre conscience que tout problème de notre vie n'est pas extérieur à nous, mais est en nous. C'est donc en nous-mêmes que nous devons chercher la solution. Peu importe, n'est-ce pas, de trouver la solution, qu'elle soit intérieure ou extérieure, lorsqu'il y a un problème, eh bien, il y a toujours une solution. Et lorsqu'il n'y a pas de solution, le problème est dans notre tête. Voilà. Alors, eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé la carte numéro 32. Tu peux pleurer, mais prends conscience que, dans chacune de tes larmes, la douleur s'évacue. N'incombe pas la faute à l'autre. Toi seul peux accepter ou non la douleur. En fait, ça soulage de pleurer et on a besoin d'extérioriser ce qu'on ressent émotionnellement. Et pleurer, eh bien, c'est notre façon d'extérioriser. Alors, le petit conseil de cette carte, encore une fois, vous avez le libre arbitre, ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Le conseil au point de vue finance. Il n'existe aucun véritable échec qui ne soit pas accompagné d'une leçon à retenir. C'est bien vrai, n'est-ce pas? Tout échec, hein, ça nous apprend. Donc, c'est vrai que d'un côté c'est un échec, mais d'un autre côté, ça nous a appris. Et ce sont des fautes qu'on ne va plus commettre. Ce que vous ne pouvez avoir aujourd'hui sera peut-être sur votre route demain. Alors on vous demande d'être patient, patiente. Eh bien voilà, petit conseil finance au point de vue des finances. Le conseil au point de vue professionnel. On vous demande de trouver le juste chemin entre ce qui vous appartient et ce qui appartient à votre travail. Il est souvent plus facile de vous cacher derrière un voile d'incompréhension que de regarder les problèmes en pleine lumière. Waouh ! Je vais le répéter. Trouvez le juste chemin entre ce qui vous appartient et ce qui appartient à votre travail. Il est souvent plus facile de vous cacher derrière un voile d'incompréhension que de regarder les problèmes en pleine lumière. Voilà pour le conseil professionnel. Vous savez, quand on quitte son chez-soi, on ferme la porte à tous ses problèmes perso. Côté sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, n'est-ce pas, vous resterez responsable de votre vie et du chemin que vous décidez de tracer. On vous demande de ne pas vous cacher derrière de fausses excuses. Soyez honnête avec vous-même et donnez-vous du temps et de l'amour. Parce que, oui, ça me fait penser à quelqu'un qui me donne des excuses. Il est avec une personne et voilà, il n'est pas complètement avec cette personne. Et toutes ses excuses, c'est son travail, patati et patata. Et pour moi, ce sont des excuses. Vous êtes responsable de votre vie.
Et ne mettez pas, si maintenant vous n'avez pas de sentiment pour quelqu'un, bien soyez franc ou franche. Mais ne donnez pas des excuses qui ne tiennent pas debout, quoi. Soyez honnête. Et soyez honnête vis-à-vis de vous-même. Et ne faites pas souffrir l'autre. Voilà. Alors, on a dit professionnel, sentimental, finance. Et bien maintenant, c'est spirituel. Le petit conseil spirituel, acceptez le fait que ce soit votre douleur qui vous ait ouvert les portes de la spiritualité. La culpabilité n'a pas raison d'être. Voilà. Acceptez ce qui est. Très bon message. Des conseils, bon ben voilà, hein, vous prenez ce qui vibre, hein, pour vous dans ce que je vous ai énuméré. Et puis ben je termine avec le petit message de Ho'oponopono. Je m'excuse, mais j'ai mon chien qui n'arrête pas de me gratter la jambe. Qu'est-ce qu'il y a, Plume? Ah, voilà. Elle veut une caresse. Allez. Bon, allez, je termine avec le petit message de Ho'oponopono. Ma pensée est créatrice. Notre pensée crée les événements de notre vie. Elle ne présente aucune limite, sauf celle que nous lui imposons. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse et je vous dis à demain.